Eh bien salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement au barrage de Yaté pour une rando de 4 heures qui va faire l'ensemble qui va vous montrer un maximum du barrage, des montagnes, de la rivière. Allez, je t'emmène, c'est parti. Pour faire le Grand Sud, un minimum de 2 jours est conseillé. Si vous venez le premier épisode, j'avais balayé si vous regardez le premier épisode de ma saison 5. Donc j'avais fait tout le Grand Sud avec tout azimut, sauf que j'avais pas fait le barrage. Énorme. Et là, sur le côté de la route, je viens de voir un truc incroyable. Regardez, c'est des plantes carnivores. Donc en fait, à l'intérieur de la plante, là, il y a un liquide. Et en fait, ça tue les animaux comme ça, et ça tue les petites fourmis. C'est assez étonnant, première fois que je vois des plantes carnivores en Calédonie. Et tu vois l'alarme là, juste là? C'est... Oh putain. Attends, regarde. Oh putain. Allez, direction la rivière, et je peux te garantir, ça va pas être une partie de plaisir. Alors venez équiper un niveau chaussures parce que voilà, c'est très friable. Je qualifie ça de proche de l'extrême. Bon les amis, on va bientôt se baigner, je peux te garantir c'est un vrai petit paradis là-bas. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais là c'est vraimentun mur. En fait là je suis agrippé à un arbre, c'est l'arbre il lâche, je suis mort direct. Alors c'est chaud quoi? Ouais, c'est un peu chaud quoi, mais ça se fait quoi. Faut faire attention quoi. Faut y aller vachement lentement. Bientôt arrivé à la rivière après quasiment 20 minutes de descente. Et franchement, c'est extrême. Ah putain. Comme on dit, faut pas se rater ici, il n'y a pas de secouriste. Et une petite piscine naturelle. Incroyable, mais vrai. Regardez-le comment elle est transparente.